Tais-moi. C'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule. OCB, ma gueule. Original Cash Burn, Coco. Et moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Dis gaffe qui aura le dernier smile, hein. Le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu ne pas, mon pote, t'es bien chaud, hein. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Ce qui fait de moi, original, inoubliable. D'où j'arrive, c'est inévitable. Ouais, ma gueule. Et moi, le give a fuck, pour moi, de lendemain. Ouais, Coco, la broche a roulé sa bosse. Ça coûte parpaing, de crosse et de crasse. Et c'est pas un plus, mais le seul qui ose mettre un grand coup de latte dans ta. Salut les gars, c'est Bandidon, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du code 4 à l'ancienne avec mon pote Rachid54. Alors je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui assez sympathique. Comme vous pouvez voir, on est en match à mort sur la map envahie. Code 4 à l'ancienne les gars, je vais vous raconter un peu mon amour pour code 4 et mon amour envers mon Rachid54. Non, en fait c'est un pote à moi qui, comme vous pouvez voir, je suis connecté FARC. C'était à l'époque où nos deux teams étaient vraiment amis parce qu'il y avait une team FARC et team OCB. Et je peux vous dire un truc, c'est que la dernière fois il m'est arrivé un truc assez exceptionnel pour moi les gars, donc c'est vraiment énorme pour moi. Au passage, pour le gameplay vite fait, je suis accompagné de la M4A1, franchement une arme de tonnerre de dieu quand c'était sur... c'était pas une arme de PD. Donc voilà, je vais faire une bonne petite série, un bon carnage en MME, vous allez voir, Toto, Code 4, c'est sa maison, c'est son terrain, c'est son business, c'est Code 4. Bon bref, pour repasser à l'histoire les gars, ben Rachon, je l'appelle comme ça, c'est Rachon, mon ami Rachon. J'espère que cette vidéo elle t'est dédicace mon pote parce que voilà, t'es mon pote, voilà, c'est un truc d'amour entre toi et moi. Je suis pas pédé les gars, mais c'est mon pote Rachon. Voilà, donc en fait une fois je me sentais pas de jouer à BO2, j'ai dit tiens je vais envoyer du code 4. D'ailleurs au passage je tue un bandit en bas, vous voyez un bandit d'os qui tue un bandit. C'est moi qui te tue mec. Et ouais, au passage donc j'envoie code 4, ma foi j'envoie du MMO, de la domination, je sais plus. Je tombe pas sur un mec qui s'appelle Rachid54 mon gars. Rachid54, c'est un mec, j'ai poncé le jeu avec lui. Je crois, si je dis pas de conneries, m'en veux pas si je dis une connerie. A l'époque sur Code 4, j'étais dans les 133e joueur mondial au niveau élimination. Rachid, je crois qu'il était dans les 500 ou 400, je sais plus, je te dis une bêtise. Peut-être t'étais plus, peut-être t'étais collé à moi, j'en sais rien. Ben, je sais qu'on avait plus de 200 000 frags à notre activité. Une petite série 10 au passage. Donc voilà, c'était vraiment un partenaire, il n'était pas dans la même team que moi, ils avaient une team, la team FARC, dédicace à tous les FARC, s'il y en a qui m'écoutent, Bender, Guéridon, Dark Reign, Pyroman, fait tous les anciens qui sont beaucoup venus dans ma team OCB. Et voilà, je suis tombé sur lui, mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. En fait j'envoie la partie, j'avais pas de micro, et j'entends The Nice, pourquoi? Parce que mon premier pseudo de PSN c'était The Nice 13, The Nice, pourquoi? Bryce, The Nice, on m'appelle Bryce, voilà, vous savez mon nom les gars, maintenant je l'ai lâché. Pour ceux qui sont fidèles à moi, ben maintenant que vous savez mon nom, mais surtout ne m'appelez pas par mon prénom. Je ne supporte pas mon prénom, je l'aime pas. Donc c'est Bandidos ou Bandi, ce que vous voulez. M'appeler ou Tonton, ce que vous voulez, mais pas Bryce. Donc voilà, je m'appelle Bryce. Bryce et mon pseudo, c'était venu à l'époque, tout le monde me charriait The Nice. Donc c'était pour ça que je m'étais appelé The Nice 13. Et The Nice 13, voilà, ben, je jouais beaucoup avec Rachon54. Et voilà, c'est un bon ami on va dire, c'est un bon compatriote de guerre avec eux là. À l'époque, il y avait Rachid, il y avait. Putain, c'était qui? Oh putain, je me rappelle plus les autres là. Bah bref, toute son équipe 54 là, c'était de la tuerie. Franchement, voilà, donc grosse dédicace, petite histoire sympathique. Et bien évidemment, ça m'a fait tellement plaisir de retrouver mon Rachon54. Que bah, bien évidemment, j'ai proposé de venir dans ma team. Et maintenant, si vous avez l'occasion de le croiser sur des Call of, des anciens Call of, c'est OCB Rachon54. Donc d'où son surnom Rachid Rachon. Il est passé en mode Rachon, en mode OCB Rachon. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, ne me demandez pas au niveau des recrutements, il n'y en aura pas les gars. Lui, c'est vraiment exceptionnel, c'est comme mon frère. C'est un frère d'armes, c'est un frère de Call of. Qu'est-ce que je peux vous raconter à part ça sur Code 4? Vous savez tous mon coup de cœur. J'ai passé des tonnes d'heures. Là, j'ai essayé de faire un petit hack vite fait. À l'époque, on pouvait rentrer dans la grotte et être invincible. Voilà. J'essaye pour voir si le hack marche encore, mais je pense qu'il y a eu une mise à jour, ça marche plus. Voilà, donc Code 4, c'est de la passion. C'est là où j'ai kiffé les Call of. Mon addiction pour Call of, je n'ai pas honte de le dire, je suis un pro Call of, enfin quand je dis un pro, pas un pro gamer, mais un pro lover Call of. Voilà, c'est Code 4, j'ai beau y rejouer 6 ans ou 7 ans après, mais je le kiffe ce jeu, c'est un truc de fou, les armes elles sont tellement bien, les maps elles sont terribles. Dommage qu'il y ait des connards qui hackent le jeu, quoi, mais franchement, il est vraiment passionnant, il n'y a pas beaucoup d'accessoires sur les armes, pas beaucoup d'atouts, pas beaucoup de tout, là, d'équipement. Des trucs basiques, les score streak ACCM, drone, frappe, hélicoptère, magnifique quoi. Après, c'est à celui qui frague, c'est le premier à fraguer, vous voyez, hélicoptère, frappe disponible.
parce qu'il y avait déjà Nico, voilà, j'ai mis. Enfin, j'aurais pu faire un bordel, c'était vraiment une bonne partie de ma part. Donc voilà pour la petite histoire, c'est du code 4 les gars, franchement, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura kiffé, c'est un jeu qui coûte encore dans les 15-20 euros d'occasion, parce que tellement il a été coté ce jeu. Si vraiment vous savez pas quoi faire cet été, vous ennuyez, vous partez pas en vacances, moi je vous conseille tranquille, ce sera du MMO ou de la domination parce qu'il n'y a plus trop de mode de jeu vu qu'il y a beaucoup de hacks. C'est vrai que souvent il y a du hack donc il faut quitter la partie et relancer. Mais vous prenez un plaisir monstrueux à jouer à ce jeu, la K47 elle est violente, la M4-1 elle est violente, le M16 il est tuant, le MP5, la RPD c'est une genre de 13 jours, la M60, voilà qui est mort. Nous a fait une double, je suis mort avec moi un Mirachon. Enfin voilà quoi, c'est du code 4, c'est de la patate, c'est ma passion. Voilà pourquoi je kiffe les Call of, parce que je suis tombé amoureux de ce putain de jeu. Et depuis, à chaque fois qu'un Call of sort, ben, j'en rêve que je sois autant amoureux. Je pense que code 4, c'est un peu comme une première femme quand on tombe amoureux. Ben, celle d'après, on essaie de tomber amoureux, mais on ne tombe jamais amoureux comme sa première. Avec code 4, c'est, pour moi, c'est une passion. Je sais que je vais en décevoir certains parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas Code 4, mais je suis obligé de temps en temps de mettre des vidéos de Code 4. Pour moi, c'est un kiff, c'est celui qui m'a fait kiffer, c'est peut-être celui qui m'a donné indirectement envie de faire des vidéos. Voilà, Code 4, j'exprime ma passion, j'exprime. Voilà, aujourd'hui j'en parle, j'ai le sourire. C'est Code 4, c'est moi, les gars, c'est Tonton Mandidos, c'est la base, la MK46. Voilà, des armes de ouf, quoi. Franchement, il y avait des putains d'armes de sa mère. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Même à l'époque où je jouais avec Jawed Dawki, pour ceux qui le connaissent, qui est RIS78, dédicace à toi Jawed si tu vois cette vidéo, franchement, on a passé des putains d'heures, des barres de rire à faire des frags, à massacrer du monde avec Rachon, tout le monde là. Ah putain, on a fait vraiment des carnages. Voilà, Jawed, son frère, le petit frère à Jawed. Non, le grand frère à Jawed, pardon aussi. Putain, Kerry78 à l'époque. Putain de sacré bordel sur ce code 4. On se faisait la bourre, classement élimination, ça fraguait comme des cochons, franchement. Kerry, dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Je pense que ces petites, voilà, toutes ces frappes que tu vois, ces petits kills et tout, ça va te faire rappeler des souvenirs si tu vois cette vidéo. En tout cas, moi je compte faire tant en temps de gameplay code 4. Désolé pour ceux que ça ne plaît pas. La partie s'arrête et je vais même pas pouvoir mettre mon Nico. Rien que ça, vous avez vu l'hélicoptère comme il est passé près dans la map, c'était magnifique, on pouvait voir un gros hélicoptère russe là, c'était le gros. Voilà, je vous mettrai prochainement un gameplay sur la map du bateau de Code 4, je sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Donc je finis un score pour 30 pour 4, un match à mort par équipe, c'est pas mal. Rachon derrière moi, comme d'habitude, marotte pas. Donc grosse dédicace à Rachon, dédicace à vous mes abonnés, je vous kiffe la vibe. Faites un tour sur la vidéo précédente, ne les ratez pas, c'est pas mal, c'est assez sympathique. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Ciao les gars!